On a beaucoup marché dans les rues, on a crié notre colère. La pression est de plus en plus grande avec l'approche du 15. On a pu constater, on ne peut que constater le désarroi immense de toutes les personnes qui sont concernées par ces nouvelles lois. Et on peut tous être d'accord sur le fait que maintenant on doit passer à autre chose. Bien sûr, on va continuer de manifester en mouvement, mais il est temps que l'intelligence collective se mette en route. Donc qu'on s'organise, qu'on crée du lien, qu'on se rassemble par idée de projet, d'action, parce qu'on est absolument tous d'accord que c'est pas quelques heures le samedi, même si c'est très important de déambuler dans les rues et de faire ce qu'on fait, mais que ça concerne aussi les autres jours de la semaine et qu'il y a plein de choses à faire. Il y a énormément de bonnes idées qui arrivent via le site, via nos rencontres le samedi, etc. Donc on est devant la nécessité d'organiser un minimum ce qui se passe pour gagner en efficacité, pour gagner en solidarité, en communication, en information, pour que la vérité déjà soit de plus en plus connue. Donc j'arrête de travailler mardi au cabinet et il y a quand même un grand pourcentage de gens qui ne sont pas au courant de l'obligation vaccinale pour les soignants. Donc il y a quand même un manque d'information qui est impressionnant. C'est parce qu'ils ont pensé aux soignants au total et pas aux soignants libéraux. Oui, et puis parfois il y a l'idée de la théorie qui a été entendue à la télé, mais pas forcément du concret de je vais aller au cabinet et il n'y a plus de praticiens. Donc dans les conséquences concrètes, c'est la fuite de soignants, des démissions. Il y a 9 chirurgiens dentistes qui prennent leur retraite anticipée d'ici la fin de l'année dans Lyon. Donc pour ceux qui savent déjà le manque de dentistes, c'est catastrophique. Mais il n'y a pas que ça, il y a des médecins généralistes aussi, là, mardi, qui arrêtent dans le coin, à Auxerre, à Poigny, autour et dans d'autres départements. Les médias font croire que c'est une minorité, mais quand un dentiste voit à peu près 2000 patients, si on multiplie par les centaines et les centaines de soignants, les milliers de soignants qui ne vont plus exercer... À partir de mardi, c'est énorme le nombre de patients qui se retrouvent sans rien.
Alors, je me suis dit que j'allais vous donner quelques bonnes nouvelles. Ah. Ah. Super. Oui. Enfin. Oui. Donc, il faut savoir que actuellement, il y a eu la suppression du pass sanitaire dans 70% des centres commerciaux en France. Ouais. C'est quand même une avancée. Donc, il faut savoir qu'il y a des hôpitaux qui suivent ça, des hôpitaux qui commencent à ne plus demander le pass sanitaire et qu'apparemment ça ne fait que effet boule de neige positif. Et pour la plupart, vous avez peut-être entendu la nouvelle hier, donc nouvelle fraîche, concernant Agnès Buzyn, donc l'ex-ministre. L'ex-ministre des Solidarités et de la Santé, qui a été mise en examen. Donc il faut bien savoir que la Cour de justice de la République est la seule qui est habilitée à mettre, à juger et à condamner, merci, les membres du gouvernement. Donc c'est la première personnalité publique à être mise en examen. Ça, ce n'est que le début. Oui. Oui, ça va bien. Ça va, ça vient. La patience. On viendra. Étant donné que les syndicats, au niveau national, ne s'expriment toujours pas, il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus de créations de syndicats, donc plus locaux, que ce soit pour le travail ou dans les hôpitaux. On s'est dit que pour organiser le mouvement, les idées et les projets, il allait falloir structurer en pôle d'action ou en antenne. Donc ça existe déjà, et notamment l'antenne des parents, l'antenne des soignants, enfin voilà. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être avec vous de créer ces antennes et à l'issue de cette assemblée générale que les pôles puissent se disposer autour d'un référent pour chaque pôle pour la coordination des informations. Donc on mettra les noms des antennes sur les cartons et on pourra faire les petits groupes de travail à droite à gauche quand on aura fini de discuter. Et après on pourra voir ensemble pour samedi prochain, comment ça se passe? Bon alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de pôle d'action? Oui. Ça a l'air bien. C'est bien. Avec le temps. À voir. Ce qu'il faut, c'est pas recréer des structures du type franc-maçon. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les syndicats sont pas présents, sont pas dans le mouvement, c'était joué d'avance. Ils ont un rôle, c'est ce qu'on appelle une opposition contrôlée. Donc il faut se méfier de tout ce qui est organisation, il faut qu'il y ait une notion de révocabilité. Voilà, donc mandat impératif et non donc, pas mandat impératif. Je m'excuse, je suis professionnelle des syndrés et la première chose que je vois à mes patients, alors je suis professionnelle des syndrés, je disais pas de la maladie, qu'on a l'habitude de en trouver pas mal. Alors, je recommence. Je suis ce que vous demandez. Donc, je dis que je suis professionnelle des syndrés, pas professionnelle de la maladie. Les premiers problèmes qu'on trouve quand on est malade, c'est qu'on a perdu les nerfs, qu'on a perdu notre responsabilité d'agir sur notre âme, sur notre état d'esprit et sur notre corps.
Donc, si on n'a pas cette indépendance de couper des fils invisibles envers tout ce qui nous gouverne, ça s'appelle patron, ça s'appelle Macron, ça s'appelle n'importe qui. On doit devenir souverain de notre avis tous et chacun. Et j'avoue que parfois on se demande pourquoi on a la trouille. On va perdre la maison, on va perdre combien de choses il faudra perdre. Mais matériellement, est-ce qu'on est disposé pour perdre des choses matérielles pour gagner quelque chose qui vaut le coup énergétiquement pour laisser aux enfants? Parce que moi je suis prête, bon, déjà je ne fais pas des tests PCR, je n'ai ras le bol de voir les conseils de l'ordre des professionnels de santé, je ne sais pas les vôtres, mais les miens, ils m'empêchent de parler. Sinon, je suis une complotiste. Mais je ne suis pas aveugle. J'ai des rapports de toxicité. Je n'en ai pas parlé énormément aux patients parce que parfois, on voit la personne qu'on a en face jusqu'à quel point les faire peur, jusqu'à quel point leur ressourcer. Mais on a des moyens pour aussi faire face à la toxicité du vaccin. Mais les problèmes de base, ce n'est pas un vaccin. Les problèmes de base, c'est qu'on est en train de perdre les nerfs en tant que société à nouveau. Et on va avoir à nouveau des discriminations, mais on retrouve un moment. Est-ce qu'on est prêt, chacun de nous, à se rendre responsable de soi-même? Et là, je vous demande une chose, s'il vous plaît. Regardez votre nez vertical. Regardez pas le nez de votre voisin. Chacun a un niveau de conscience, parfois très bas. Parfois, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas qu'on soit en train de criminaliser personne. Et je sais que c'est dur ce que je dis parce que je ne suis pas aveugle. Rationnellement, il y a plein de criminels là, qui souhaitent nous empoisonner. Mais je parle d'autre chose, pas des rationnellement, des au fond du cœur, ne pas vouloir criminaliser les gens qui n'est pas de notre avis. Je vous en remercie. Paru essentiel à vous présenter, à avoir votre avis dessus, c'est l'antenne du soutien et de l'entraide, de la solidarité pour toutes les personnes qui sont concernées par l'obligation vaccinale ou qui se sentent en difficulté, que ce soit dans leur famille, avec eux-mêmes ou dans leur profession. Alors l'école, ce sera l'antenne éducation. Dans l'antenne de soutien, ça, c'est synonyme de se donner des outils de communiquer sur les modèles de courrier qui vont pouvoir aider à la communication avec la hiérarchie, les pressions qui sont reçues. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui se sentirait d'être référent? Donc, c'est simplement de communiquer les informations de ce qui va ressortir, en fait, de cette antenne, de vos échanges, de vos discussions, de vos idées de projet, d'action. Est-ce qu'il y a une personne qui se propose pour être référent de cette antenne? Alors, être référent, ça veut dire juste noter les idées des gens et ensuite les transmettre. Pauline, avant de nommer un référent, peut-être qu'il faudrait que les gens se réunissent par commission et on désigne après un référent. Alors que toutes les personnes qui sont intéressées par l'antenne de soutien se rapprochent des marches. Donc l'antenne juridique, elle est fondamentale. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Ça regroupe les plaintes. Donc il y a des plaintes contre Castex, Véran, Blanquet, des recours contre auprès de Maître Divisio. Vous pouvez avoir les plaintes pré-remplies pour 2 euros et après vous les envoyez en lettre recommandée avec accusé de réception. C'est des choses que tout le monde peut faire, mais l'information passe pas forcément. Donc on s'est dit qu'avec une antenne comme ça, une antenne qui regrouperait aussi les différents recours, les modèles de courrier avec la hiérarchie, etc., ça pourrait être très intéressant et très utile. Donc on va le noter sur un carton. Est-ce que vous trouvez ça utile déjà ? Oui.
faut des tests. On pense souvent aux tests PCR pour le pass. Il faut savoir qu'il y a une solution beaucoup moins agressive, c'est les autotests, dans la mesure où ils sont supervisés. C'est-à-dire que vous allez chez le pharmacien ou chez un chirurgien dentiste, vous faites votre autotest, mettons, à l'entrée de la narine, celui-ci constate que vous êtes négatif, donc il vous fait un pass. Si, si, si. Oui, alors attendez, parce que ce qu'il faut que je précise, c'est que faut dans les pharmacies, j'ai fait le tour des pharmacies pour un enfant, et finalement, il y a des pharmacies qui refusent de le faire, les autotests. Mais en réalité, dans le décret, c'est prévu ça. Et par contre, il y a des pharmacies qui le font volontiers et sans rendez-vous. Alors, je peux vous, au moins vous en citer une. Dans la rue du 24 août, c'est sans rendez-vous. Voilà. Alors, on vient de se dire qu'une antenne au niveau de l'organisation de tout cela, des suggestions au niveau de l'organisation, que ce soit de la logistique, de la sécurité, les animations engagées via le théâtre, la musique, les animations qui peuvent avoir lieu donc le samedi. Voilà, donc une antenne, organisation, suggestion. Toutes les personnes qui ont envie de s'investir dans tout ça. Et une antenne covoiturage, parce que c'est quelque chose qui est pas mal revenu, que ce soit pour venir à Auxerre ou pour rejoindre Paris. Donc s'il y a des gens intéressés à s'entraider pour rejoindre Paris, n'hésitez pas à rejoindre l'antenne covoiturage. Alors, aussi, histoire de ne pas tout réinventer de zéro, parce que beaucoup de belles choses ont déjà été faites et se font constamment chaque jour, c'est l'idée d'une antenne de lien entre les collectifs, que ce soit au niveau local ou national. On a déjà RIVA, donc Réinfo Covid à Vallon-Vézelay, qui fait déjà beaucoup de choses. Il y a le collectif Réaction 19, Bon Sens. C'est d'ailleurs sur ces sites-là que vous pouvez trouver de super informations, de super recours pour vous aider dans tout ça. Nous avons des informations également sur des hôpitaux qui ne mettent pas en place le pass pour les soignants à partir du 15 parce que c'est ingérable. Donc vous avez entre autres l'hôpital Cochin à Paris qui est repoussé d'un mois. Nous avons des informations sur l'hôpital de Sens pour Lyon. De quelques jours en tout cas, mais tout ça montre qu'il faut absolument agir. Si on est tous dans la rue, et je suis vraiment désolée de voir qu'il n'y a pas autant de monde que d'habitude, il faut, bon, peut-être que beaucoup de gens sont à Paris, parce qu'effectivement on a vu les images de Paris où il y a beaucoup de monde, mais il faut sur Lyon vraiment vous mobiliser, c'est important. Donc voilà un petit peu les informations qu'on peut vous donner. On peut vous donner aussi des informations puisqu'on est en contact avec tous les médecins en France et aussi beaucoup les médecins internationaux sur les Antilles. La catastrophe n'est pas du tout celle qui vous est annoncée. 10% des internes du CHU de Pointe-à-Pitre sont vaccinés. Moins de 20% des soignants, dans infirmiers et soignantes, et les médecins également dans des proportions assez faibles. Donc attention à ce que l'on véhicule comme information, allez à la source pour la chercher. Voilà. Comme Pauline a un temps extrêmement limité aujourd'hui, on va juste inviter donc Claire, Jean-Pierre qui est là aussi quelque part. On se retrouve sous un arbre et les soignants qui sont là éventuellement, venez nous voir. Merci. Merci Violaine. Alors j'appelle Alexis pour parler de la levée des arches, parce que on parle de ce qui se passe en ce moment et de ce qu'on peut faire, mais il faut être réaliste. Il y a des personnes qui sont mises à pied, qui perdent leur travail, il va y avoir une entrée en précarité d'un grand nombre de personnes. Donc il est important que la solidarité soit de plus en plus de mise, d'où l'idée de la levée des arches qui existe déjà et qui se développe. Bonjour à tous. Alors le concept il est très simple, il s'agit de soi-même dire je suis une arche, si j'ai un clic-clac et je peux accueillir une personne, alors je suis une arche.
Ensuite, il suffit de se relier avec les autres endroits. Donc, il y a beaucoup d'écolieux et de micro-fermes en France qui se sont créés dans une mouvance de retour à la terre. Et donc, tous ces écolieux, en fait, souvent, ils sont assez vides. Il n'y a pas tant de monde que ça. Et donc, du coup, ils ont une capacité d'accueil. Et donc, comme je dis, est-ce qu'on peut se permettre de laisser les soignants qui vont démissionner dehors? Ben non, on ne peut pas. Donc, nous, on se prépare, nous, à les accueillir. Donc nous on a quelques places, mais si on se relie entre les arches, c'est-à-dire que si autour de moi j'ai une quinzaine d'autres personnes qui se disent « ok, je suis arche aussi », eh bien moi j'ai 15 coups de fil à donner si j'ai une personne en trop pour trouver une place. Et si ces 15-là, elles ont elles aussi 15 arches aussi, alors on a beaucoup d'arches, donc on peut se relier. Et en fait, là on est à l'aube d'un grand réveil de fraternité, donc... On a un grand tri avec les justes et les tièdes. Donc les justes, là aujourd'hui, là on n'a que des justes. Des gens qui pensent qu'ils ont une âme et qui sont au plus profond d'eux-mêmes, droits quelque part. Et ensuite les tièdes, ceux qui cèdent à leur peur, ceux qui cèdent à, comment dire, à, on va dire à la pression, qui cèdent quoi. Nous on doit être justes toujours entre nous et réchauffer les tièdes. Donc là, on a vraiment un grand tri qui est en train de se faire, et vraiment, j'en suis triste. Donc, il va falloir se lever. Alors, il y a aussi des fraternités qui peuvent nous surprendre, mais je pensais aux musulmans. Les musulmans, ils sont encore silencieux, mais nous, on est là, on montre notre nom ferme, et donc, je les appelle aussi, les musulmans, à nous rejoindre, parce que peut-être on peut découvrir une fraternité qui est immense avec eux. Et ensuite, j'appelle... les gardiens de la paix aussi, à être des gardiens de la paix et pas des gardiens des intérêts économiques ou des marchands. Pas être des forces de l'ordre. Hein ? De pas être force de l'ordre, oui. D'être gardien de la paix. Donc voilà, j'ai fraternité, là, ici. Fraternité, gardien de la paix. Voilà. Donc, ils ont aussi des petits cœurs qui battent dans leur torse. Pas tous. Ils ont des enfants aussi, oui, ils ont des enfants. Donc, alors là, moi ici, donc il y aura un petit, donc on va faire des petites antennes, donc le concept des forums ouverts, où chacun peut papillonner d'un forum à l'autre. Et moi, je vais parler des arches et aussi de la monnaie libre, parce qu'on a une opportunité en France qui s'appelle la June, la monnaie libre. Et la June, chaque utilisateur devient un créateur de monnaie. Et pour ceux qui sont un petit peu au courant, c'est ceux qui créent la monnaie, qui créent les lois. Donc comme on ne crée pas l'euro, on ne crée pas les lois. Mais si on crée une monnaie qu'on utilise, on créera les lois. Donc, je m'appelle Laure et j'ai l'idée pour une antenne culture. Pour des choses qu'on peut partager ensemble. Un cercle littéraire, des lectures, une petite pièce de théâtre... des réunions pour des échanges d'idées, ou regarder un film à plusieurs. Voilà, tout simplement. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens, puisque ça aussi, c'est privation pour les antipasses. Merci. Mobile, partant du principe qu'on serait moins nombreux du fait de l'appel national à Paris,
Donc du coup, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de se répartir dans différents groupes, en différentes thématiques. Dans chaque groupe, il va y avoir une personne qui va s'auto-désigner pour noter les idées. Et comme ça, on va pouvoir faire remonter à l'organisation toutes vos idées en termes de tract, de soutien, de trajet, de manifestation pour la semaine prochaine aussi, etc. Donc n'hésitez pas à regarder les différents cartons et à venir apporter vos idées sur la droite, sur la gauche, pardon. Il y a un carton à suivre si vous souhaitez. Merci. Les actions, qu'elles soient du samedi ou de terrain. Nous avons l'antenne éducation pour les parents, les soignants. Et faire des suggestions pour l'organisation. L'antenne pour l'union des collectifs. Pour la communication entre les différents collectifs. Réinfo Covid Avalon Vézelay. Le collectif Bon Sens. C'est ça. Ouais. C'était quand même pas mal. Alors, donc vous êtes plutôt le groupe. Comment bah vous mettez le groupe Vif par jour. Bah non, c'est pas mal. Pour rejoindre l'antenne Action. Mais moi, je m'en fous pas. Vous savez, j'ai pris des commerces et j'ai un jour un jeune. Je vous invite dans chaque antenne à laisser vos adresses mail auprès du référent. On en a un par minimum un par antenne. Donc laissez vos mails. Prenez le temps de laisser vos mails, mais on se rassemble ensuite et on parle de samedi prochain. Merci. Et après, que ce soit en ville, à Auxerre, enfin, l'idée c'est une union de collectifs du 89 et que ce tract permette à la résistance du 89 de s'organiser. Donc voilà. Donc il y aura la convergence des différents collectifs parce qu'il y a déjà énormément de belles choses qui sont faites et qui sont maintenant sont organisées au niveau du département de Lyon. Donc ça nous donne l'union des collectifs pour la liberté. Est-ce que ça vous convient ? Super. 89. Union des collectifs pour la liberté 89. Voilà. Oui. Donc tout ça, ça va permettre la coordination de tout ce qui existe dans le 89. Donc un fly, l'information, tout va être transmis. Ensuite, pour samedi prochain. Voilà. Est-ce que ça vous plaît l'idée de faire une chaîne humaine sur le pont de la liberté à Auxerre ? Oui. Donc le départ, le cortège, le rendez-vous est à 14h la semaine prochaine ici, comme d'habitude, et nous irons faire notre chaîne humaine que nous allons organiser. On n'a plus que besoin de votre joie, de votre présence et de votre dynamisme, comme d'habitude. Mais c'est pas on se tient la main, c'est bien, c'est sympa, on va le faire. Mais l'idée, c'est d'avoir des banderoles, des pancartes. Et entre chaque personne, il y a un message, il y a une banderole de tenue. D'accord ? Donc, notre truc, il va faire un pont, les quais. Enfin, bref, on va s'organiser. Mais c'est pas main à main. Donc, ramenez vos pancartes, ramenez vos banderoles, ramenez vos voix, ramenez vos... Tout ! Si. Je vous ai tout dit. Merci à vous et à samedi prochain. Faites passer.